You can communicate with other friends' cars. Blind spots at intersections can be perceived in advance. And down there, there was the end. Demonstrators started clashing with the police. Donc, depuis plusieurs années, on assiste à une conscientisation écologique de plusieurs pays à travers le monde. Ils se regroupent en traités, protocoles, en alliances écologiques. Tout le monde travaille pour faire de son mieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de toutes ces choses qui affectent l'environnement sur la planète. Donc, bien sûr, c'est des pas dans la bonne direction, mais c'est pas tout à fait assez encore. Donc, il y a encore de l'amélioration à faire. Oui, il y a clairement une problématique reliée surtout aux gaz à effet de serre. Les gens ne veulent pas nécessairement changer leur mentalité. On pense plus souvent à court terme qu'à long terme. Par exemple, si on compare l'économie avec l'écologie, l'économie à court terme, ça marche plus vite. On veut se remplir les poches, avoir une bonne vie, tandis que l'écologie, l'environnement, c'est un phénomène qui se passe plus à long terme. On voit moins les impacts tout de suite. Donc, on a moins tendance à changer nos habitudes et nos manières de vivre. Bien, c'est clair qu'en tant que société, civilisation, on est rendu à un point critique, un point de non-retour. Il faut prendre la décision, est-ce qu'on va continuer de cette façon-là ou est-ce qu'on va plutôt changer, moins exploiter nos ressources puis en laisser pour demain? Parce qu'on ne se cachera pas des ressources naturelles comme non renouvelables, comme le pétrole. Dans 50 à 60 ans, les experts disent qu'il n'en restera probablement plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on se pose dans un monde de compromis. Ben, c'est sûr qu'il existe tout de même des solutions problématiques. Une de ces solutions, c'est le développement durable, qui consiste en, à mettre en fait en harmonie trois aspects très importants de la société, donc l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental, pour être capable de bâtir le mieux possible tant la société d'aujourd'hui que la société de demain dans un monde prospère et vivable sur tous les points. La raison pour laquelle on vous parle de ça, c'est très simple. Nous, notre projet, on veut aller voir qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce que les gens amènent comme idée pour innover, changer les habitudes de vie? L'idée, c'est d'aller voir ce qui se fait et d'essayer d'amener ça dans un concept importable et pouvoir essayer à tout le moins de l'appliquer dans une société nord-américaine où la consommation est évidemment réelle. On a réalisé que le monde qui nous entoure, il existe, il n'y a pas juste nous sur la planète. C'est important de regarder autour et je pense que c'est encore plus important de faire réaliser à d'autres gens la possibilité qu'on peut changer quelque chose, on peut faire quelque chose pour changer ce qui est en marche. Là. Ben écoutez, c'est clair qu'au Québec, il y a des innovations qui sont faites, mais c'est aussi clair qu'il y a des endroits dans le monde où ils réussissent à le faire beaucoup mieux que nous. C'est ça qui nous a fait choisir l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une des puissances économiques les plus fortes. D'ailleurs, c'est la 4e économie mondiale, mais c'est pourtant un des pays qui est capable le mieux d'harmoniser l'environnement avec l'aspect économique. Et vraiment, c'est des leaders dans toutes ces situations et on voudrait vraiment savoir comment eux, ils ont réussi à faire ça. Nous, ce qui nous a intéressé en Allemagne, c'était les villes de Fribourg et Munich. Tout d'abord, Fribourg, c'est une plus petite ville, mais ils ont un quartier qui s'appelle le quartier Vauban, hyper écologique, qui utilise presque uniquement de l'énergie renouvelable. Et les concepts de mobilité là-bas sont incroyables. Plusieurs exemples qui font en sorte que les personnes sont en quelque sorte forcées de prendre le transport en commun. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à innover. Pour ce qui est de Munich, c'est une plus grande ville. Donc vraiment, les innovations sont à plus grande échelle. Et c'est pourquoi ce qui est intéressant avec Munich, c'est qu'on va pouvoir prendre ces idées-là qui sont plus applicables à des villes comme Montréal ou Toronto, ou d'autres grandes villes nord-américaines. Alors, c'est pour ça qu'on veut voir les deux aspects. C'est clair qu'il y a des changements à faire. Mais les changements, ils vont pas se faire tout seuls. Est-ce qu'on est prêt à le faire?